11 septembre 2001. L'homme n'aurait pas mis le pied sur la Lune. Société secrète, elle dirigera le monde. 11 septembre 2001. Cercle de culture, une trace extraterrestre. 1969, la rumeur d'Orléans. Fake news. Rumeur. Complot. Une rumeur qui a fait le buzz national. Alors, que s'est-il vraiment passé? Les souterrains à Orléans, les plus anciens en fait, que l'on connaisse pour l'instant, c'est tout les débuts du Moyen-Âge. Et ils ont été creusés généralement pour aller extraire la pierre. Alors généralement, ils sont creusés entre 11 et 13 mètres de profondeur. Souvent, on perd le nord hein, quand on est en fait en dessous, quand on est en sous-sol. On ne sait plus très bien où se trouve le nord, où se trouve la sortie, où se trouve l'entrée. On ne sait pas combien de chemin on a parcouru parce qu'on est avec la lumière artificielle. Soit on y va avec une bougie, il y a des ombres qui vont se dessiner, il y a des choses comme ça. Donc il y a toute une part de mystère, effectivement. Et puis à Orléans, le calcaire aidant, en fait, on a des cavités et des carrières un peu partout, en effet. En fait, le souterrain qui passe sous la Loire, c'est une légende. Hein. Il y a des infiltrations de la Loire qui font que de toute façon il faudrait descendre extrêmement profondément pour réussir à passer sous la Loire, et après il y aurait des problèmes d'oxygène, des problèmes d'air, de circulation d'air qui font qu'il ne pourrait pas de toute façon y avoir de souterrain sous la Loire. Ça reste des rumeurs qui sont infondées. En fait, quand on est sous terre, on perd un peu la notion de l'espace, on perd la notion de la direction. Est-ce que les Orléanais ont une histoire particulière avec leur souterrain ? C'est vrai que je dirais que dans les années 60-70, quasiment pas tout le monde, mais presque, a été confronté en fait au souterrain, mais même encore aujourd'hui. C'est vrai que la population orléanaise, les propriétaires, ceux qui habitent en centre-ville ou même dans les faubourgs immédiats, tous connaissent une personne qui a visité un souterrain, ou alors qui possède une maison qui est sur une carrière, ou quasiment tout le monde. La rumeur d'Orléans qui est concernait des magasins appartenant à des commerçants juifs, ou supposait-elle. Et dans ces magasins, les femmes étaient enlevées, je répète ce que disait la rumeur, étaient enlevées, droguées, enlevées et entraînées dans des sous-marins dans la Loire. Vers des lieux où on allait profiter d'elle. Donc voilà, c'était une accusation très grave contre des commerçants juifs. C'était au moment de Pâques. J'étais parti en congé en week-end. Et il y a un ami qui est venu me dire, écoute, il y a des choses qui circulent sur toi. C'est très simple. Hein. À l'époque, j'étais accusé de faire la traite des blanches. On m'a accusé d'avoir une trappe dans le magasin, de donner un bonbon qui était frelaté, et puis il y avait une trappe qui s'ouvrait, et la jeune fille, elle partait, et il y avait un sous-marin qui l'attendait dans la Loire. Dans la Loire. Alors par rapport à cette Rémy, c'est vrai que la rumeur spécifiait comme quoi, à l'intérieur des cabines d'essayage, effectivement, on descendait les jeunes filles. Et en fait, c'était par ce système de trémie, en fait, dans l'imaginaire collectif. C'était ce système d'ouverture, en fait, au sein des voûtes, qui permettait de descendre les personnes. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que on adhérait au fantasme complètement fou, stupide, des gens qu'on pensait sensés, cultivés, intelligents. Un fameux samedi, le paroxysme de cette rumeur, le magasin était entouré à peu près d'une 300-400 personnes qui criaient à mort. Mais il y a des gens qui sont rentrés acheter avec des chiens. Il y a un type qui est rentré qui m'a dit... Si j'avais une mitraillette, je vous abattrais tous. Cette rumeur spécifique nous a semblé très importante dans la mesure où elle concernait vraiment un problème très grave, celui de l'antisémitisme. Écoutez, après une jeunesse douloureuse pendant la guerre, je l'ai très mal vécu. Parce que à 7-8 ans, j'ai porté l'étoile jaune. Hein. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et je pensais que c'était... quelque chose de passé en France, et c'est ressurgi. La rumeur d'Orléans, c'est peut-être la rumeur la plus célèbre qui a été découverte en fait pour beaucoup de chercheurs, d'universitaires, grâce à cette enquête qu'avait menée Edgar Morin.
Et cette rumeur d'Orléans-là, elle a marqué, je le répète, parce que ça a été un phénomène sociologique et peut-être même un phénomène de société lorsqu'elle a éclaté. Dès qu'on a vu le développement très dangereux de cette rumeur, avec les manifestations d'hostilité devant les magasins, etc., les insultes, les menaces, on a décidé, avec ma sœur, toutes les deux, d'écrire à tous les médias français, sauf l'extrême. Et je dois dire que ces lettres ont porté, puisque dès le 2 jours après, on avait déjà des réponses. Et tous les journalistes sont venus à Orléans, jusqu'à ce que, aussi, on organise des manifestations très importantes avec les associations de défense des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des époques favorables au développement d'une rumeur ? 1969, ça suit 1968, c'est les années 60. On a des sociétés qui sont dans le doute, qui sont effectivement, comme je le disais, déstabilisées. Et vous avez là quelque chose qui est un événement anodin, à savoir que des jeunes filles vont dans des magasins choisir des mini-jupes qui choquent peut-être un petit peu une partie de la population bien pensante d'Orléans. Et ça vient se greffer sur des fantasmes collectifs, très important, très ancien, l'antisémitisme, l'idée du complot, l'idée de la traite des blanches. Et donc, ces mythologies, elles prennent corps et elles se répandent comme une traînée de poudre. Et ça fait que vous avez là une sorte d'archétype de ce qu'est le déroulement d'une rumeur. Les souterrains ont toujours alimenté les rumeurs. Qu'en est-il des réseaux aujourd'hui ? Une rumeur ne se forme pas sur le net, elle se propage sur le net. Elle apparaît déjà dans une sphère, dans un groupe, et ensuite elle se diffuse. Internet n'est qu'un support, n'est qu'un médium pour diffuser la rumeur. Et ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que le faux se diffuse plus vite que le vrai. En ce qui concerne la rumeur d'Orléans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et c'est peut-être aussi ce qui explique que cette rumeur soit restée quelque part localisée. C'est vrai qu'on l'a trouvé aussi à Amiens la même année, qu'on l'a trouvé dans d'autres villes, mais il n'y a pas eu une sorte de globalisation de la rumeur, ce qu'aujourd'hui favorise et entraîne même les réseaux sociaux. Aujourd'hui, une rumeur, elle est presque instantanément mondiale. À l'époque, c'est resté, comme son nom l'indique, la rumeur d'Orléans. C'est quand même frappant de voir que ça ne s'est pas répandu à l'échelle nationale, c'est pas devenu quelque chose qui a hanté tous les Français à l'époque. Donc vous voyez, la différence de ces périodes, c'était il y a une cinquantaine d'années, plus d'une cinquantaine d'années, et là on voit bien comment aujourd'hui, le danger des réseaux sociaux, c'est justement de propager ces rumeurs à vitesse exponentielle. Il faut un événement déclencheur très fort, qui catalyse des angoisses et des peurs. Voilà. Et quand l'événement déclencheur est très fort, c'est là qu'on voit se propager les récits les plus hallucinants, même des récits qui, en temps normal, n'auraient pas pris. Mais c'est que comme l'émotion est forte, l'incompréhension est forte, les rumeurs et même les théories de complot se propagent très vite. Et vous ? Et vous ? Et vous avec les rumeurs ? Où en êtes-vous ? C'est vrai qu'il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de partager une information, avant de liker une information, avant par exemple de la retweeter. Il faut peut-être vérifier en croisant ses sources, en vérifiant ailleurs si l'information donnée, elle est bien fondée. Je crois que ce que l'on doit retenir surtout, c'est qu'il faut faire appel à la réflexion. Il faut absolument ne pas répéter n'importe quoi sans réfléchir. Essayer d'examiner, c'est quelquefois difficile, les faits, parce que souvent les faits sont détournés. Si j'avais un conseil, ce serait évidemment d'avoir toujours un esprit critique sur toute information qui vous est apportée, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit, essayer de le recouper avec d'autres informations que vous avez et essayer d'avoir l'opinion la plus riche possible, la plus croisée possible sur ce qui vous est dit. Et je pense que c'est déjà la première précaution à prendre pour éviter justement que se propage une rumeur. Et vous, avec la rumeur, où en êtes-vous ?